Bonsoir et bienvenue dans les Jeudis de la formation. Nous répondrons à toutes vos questions dans la deuxième partie de cette émission. Tout le monde a rêvé de posséder un jour ce pouvoir extraordinaire d'hypnotiser une petite amie, un client difficile ou un créancier insistant. La médecine, elle, cherche, pour des raisons plus nobles, à utiliser cette technique qui remonte à plusieurs milliers d'années, car depuis l'Antiquité, l'homme s'est aperçu en effet qu'il possédait ce don par la parole et par le geste que la nature offre à d'autres espèces, comme le python, celui de pouvoir mettre un autre homme dans un état particulier entre l'éveil et le sommeil. C'est ce qu'on appelle l'hypnose. Elle se pratiquait autrefois dans les foires et les estaminets. On ne parle plus de charlatanisme, mais d'une véritable discipline médicale. De nombreux hôpitaux proposent aujourd'hui des consultations d'hypnose. Alors, le médecin de famille doit-il utiliser cette nouvelle arme thérapeutique? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de définir ce soir. Les objectifs pédagogiques de cette émission seront donc 1. Comment fonctionne l'hypnose médicale? 2. Quelles sont les indications? Et bien évidemment, 3. Comment la mettre en œuvre? Je vous présente tout de suite nos invités. Le docteur Max Fleury est médecin généraliste et hypnothérapeute en cabinet libéral à Orléans. Le docteur Dina Roberts est psychiatre et hypnothérapeute au centre médico-psychologique du Figuier à Paris et à l'hôpital Esquirol à Saint-Maurice. Alors je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Et pour introduire le thème de ce soir, on commence tout de suite par la question du jour. Je vous la pose et nous vous donnerons les résultats un peu plus tard dans l'émission. La voici. Seriez-vous prêt à prescrire de l'hypnose dans votre pratique? Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Notre rédacteur en chef, Damien Mouyel, est en régie pour compiler vos réponses. Alors, à vos claviers. Et première partie de cette émission, on va essayer de comprendre comment fonctionne l'hypnose médicale. Max Fleury, vous êtes médecin généraliste. Vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça fonctionne dans votre cabinet? Bah écoutez, c'est très simple. Hein. Moi, je fais à peu près 3 heures d'hypnothérapie par jour. Alors au début, je me suis adonné à cette pratique pour mes propres patients. Et puis, bien rapidement, il y a eu des demandes parce qu'on n'est pas très nombreux là où je suis à pratiquer cette discipline. Dans le Loiret, oui. Voilà, dans le Loiret. Donc voilà, c'est 3 heures d'hypnothérapie par jour. Si vous faites que 3 heures parce que c'est fatigant d'en faire oui. plus. Oui. Ou parce que vous voulez continuer J'ai une activité mixte. Alors je demeure médecin généraliste, donc je fais le boulot de n'importe quel médecin généraliste et je fais de l'hypnothérapie en plus. Donc il faut arriver à caser 3 heures, 4 heures. Donc j'ai diminué un petit peu malgré la demande. Donc 3 heures d'hypnothérapie par jour. On avait une émission sur le burn-out la semaine dernière. Ça risque de vous conduire vers le burn-out de faire de l'hypnose ou ça vous aide? Alors oui ou non, c'est différent. C'est une pratique différente. C'est-à-dire que pendant une heure, on est avec le patient, on est vraiment dans une bulle, hein, parce que nous-mêmes, on est un peu dans un état un peu proche de l'hypnose également. On se met un peu en auto-hypnose avec le patient. Mais en même temps, ça demande une extrême concentration. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas se permettre d'avoir l'esprit qui part ailleurs. Il faut vraiment être tout le temps avec le patient, tout le temps convaincu de ce qu'on l'on dit, parce que c'est ça qui va provoquer la suggestion chez le patient. Dina Roberts, vous êtes psychiatre, mais hypnothérapeute. Vous faites aussi 50-50 ou vous faites que J'ai une pratique de psychiatrie en hôpital général où du coup parfois j'utilise l'hypnose mais comme c'est en phase aiguë, pas forcément. Et ensuite dans le centre médico-psychologique, je reçois effectivement des patients spécifiquement pour l'hypnose et d'autres pour d'autres raisons. Alors on a tendance à croire quand on ne connaît pas l'hypnose, ce qui est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir, que c'est un état d'endormissement. Mais pas du tout, expliquez-nous ce que c'est. Effectivement, c'est au contraire un état d'éveil et c'est un état en fait dans lequel le patient a son orientation de l'attention qui est modifiée, qui permet en fait, alors il y a l'état d'hypnose qui est particulier, mais il y a surtout tout le processus, c'est-à-dire que l'état d'hypnose n'est pas spécifique à l'hypnose, on est naturellement, c'est un état naturel dans lequel il vous arrive d'être, il m'arrive d'être, quand je suis à la fois ici et ailleurs. Que je comme Monsieur Jourdain, vous me dites que moi par moment je suis hypnotisé? Tout à fait. Je pense que vous êtes parfois en état d'hypnose. C'est-à-dire, mais ça se traduit comment? Alors, ça peut être des moments où vous êtes dans une sorte de rêverie. Oui. Vous êtes à la fois, par exemple, soit au volant de votre voiture, vous êtes en train d'être dans une activité automatique, vous êtes capable de conduire, mais en même temps, vous pouvez être en train de penser à des choses tout à fait différentes. Mais si vous avez besoin à nouveau d'intervenir sur votre conduite, vous pouvez réorienter votre attention dans la voiture. C'est pour ça que ce n'est pas dangereux d'être en état d'hypnose, Max Fleury, parce qu'à tout moment, on peut reprendre le contrôle de sa conscience, qui est peut-être d'ailleurs toujours conservée. Oui, le cerveau peut facilement basculer
d'un état à l'autre. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de rentrer selon certaines personnes. Enfin, on rentre. Il y a une suggestibilité qui est un peu différente selon les patients. Donc, les gens ne vont pas rentrer forcément de la même manière aussi facilement dans l'état d'hypnose. Mais pour en sortir, voilà, c'est assez spontané. Mais, ou alors, on bascule dans l'endormissement. Dina, on fait de l'hypnose pour aller chercher dans le cerveau des zones que la conscience bloque ou pas ? Alors, l'idée n'est pas forcément d'aller chercher pour comprendre. L'idée est d'aller chercher pour modifier ce qui se passe. Donc ça ne passe pas forcément par une compréhension, on n'a pas besoin forcément de savoir ce qui a bloqué. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir se connecter à des mécanismes qui d'habitude sont un peu en automatisme. Autant pour la conduite, c'est pratique d'être en automatique, autant quand il s'agit par exemple dans la phobie d'avoir peur de quelque chose et que ça revienne en boucle, on a envie d'intervenir pour que ça change. Max Fleury. Mais on part du principe qu'en hypnothérapie, finalement, le principe de base, c'est que chaque personne a les réponses à ses propres problématiques. Ces réponses sont inconscientes et l'hypnose va permettre de créer un changement qui va chanter un peu la conscience et qui va réveiller des mécanismes psychologiques inconscients que le patient, d'ailleurs, ignore lui-même. D'ailleurs, moi, quand je revois mes patients une semaine après, je leur dis « alors, qu'est-ce qui a changé ?» Parfois, ils me disent « il ne s'est rien passé ». Alors, moi, j'ai écrit quand même des petites choses sur ma fiche. Alors, je dis « mais ça, c'est toujours la même chose ?» Ah bien, non, c'est vrai, maintenant que vous me le dites. Parce que c'est tellement naturel, ça vient d'eux. Ce n'est pas le fruit d'une technique qu'ils auraient apprivoisée, maîtrisée. C'est simplement naturel. On fait ressurgir des choses qui sont chez l'individu. Je vais vous dire un secret. Vous trouvez que le docteur Max Fleury, comme le docteur Dina Rivers d'ailleurs, s'exprime particulièrement bien. Max Fleury a été journaliste pour commencer. Et on a travaillé ensemble. Et on a même vécu une expérience très particulière tous les deux, puisqu'un jour, on a vu un hypnotiseur de foire qui s'appelle Danny Dan, qui d'un seul coup a endormi devant nous et fait des trucs incroyables à des pharmaciens. À l'époque, on pensait que c'était bidon d'ailleurs. C'était mesmer avant l'heure. Hein. Ouais. Et en fin de compte, j'ai regardé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui est devenu Danny Dan ? Je me suis aperçu que maintenant, il faisait de l'hypnose thérapeutique. Alors, comment vous faites pour vous en sortir face à cette référence en permanence à l'hypnose de foire ? Alors, le problème, c'est que l'hypnothérapie est très en vogue à l'heure actuelle. Vous ouvrez n'importe quel magazine, tout le monde en parle, etc. Donc, il y a une grosse demande également de la part des patients. Et donc, tout le monde aujourd'hui, comme c'est quelque chose, c'est une activité qui n'est absolument pas réglementée, tout le monde aujourd'hui peut s'improviser hypnothérapeute. Et ça, c'est le risque. On a connu ça avec les psychothérapeutes à une époque où on s'en fichait un petit peu de la formation des gens. Donc voilà, dans l'hypnothérapie, il y a hypnose, certes. Alors bon, oui. Hypnotiser quelqu'un, c'est à la portée de beaucoup de gens. Par contre, il y a aussi thérapie. Thérapeute, oui. Et là, ça veut dire prendre en charge une pathologie. Donc Dina, là, c'est du sérieux. Ça veut dire qu'être médecin, c'est déjà une garantie ? Ce qui est en tout cas indispensable, c'est que la personne soit formée déjà dans le domaine dans lequel elle va vous proposer l'hypnose. Alors si vous allez voir quelqu'un pour une thérapie, il faut qu'il soit déjà thérapeute. Par exemple, si vous allez voir quelqu'un pour faire un soin, par contre infirmier, il vaut mieux que ce soit d'accord. Là un infirmier. Mais vous avez un peu botté en touche. Est-ce qu'il faut être médecin ou pas ? Alors, pas forcément médecin, il faut être soignant. Mais vous le conseillez soignant. Ou pas ? Soignant. Soignant. Soignant, c'est-à-dire que une sage-femme, une infirmière, un psychothérapeute. Elle s'occupera que des femmes enceintes. Mais pour faire de l'hypnose thérapeutique généraliste, il faut être médecin. Médecin ou psychothérapeute. D'accord. Alors, avant de passer au deuxième objectif pédagogique, on prend du retard, mais l'émission va être passionnante, je le sens. Je vous rappelle la question du jour à laquelle vous êtes invité à répondre. Seriez-vous prêt à prescrire de l'hypnose dans votre pratique ? Réponse oui, 1. Réponse non, 2. On passe au deuxième objectif de l'émission. C'est quoi les indications ? Parce que c'est pareil, là, j'ai un peu parcouru la littérature, on a l'impression que vous soignez tout et rien, donc on va commencer pour les choses simples, vous en clientèle de arrêt du tabac, j'ai vu que c'était quand même la chose. Il y a tous les phénomènes addictifs, hein. Le tabagisme est la chose la plus importante auquel on est confronté. Après je dirais 80% de notre activité en médecine générale, c'est les troubles anxieux et leurs corollaires. Donc les phobies, les TOC, etc., 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 les syndromes dépressifs, les troubles anxio-dépressifs. Là, vous êtes en train de faire de la concurrence au psychiatre. Est-ce qu'il ne faut pas mieux s'adresser à un psychiatre, hypnothérapeute ? C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut bien réaliser que l'hypnothérapie, et ça, c'est les pouvoirs publics qui l'ont défini ainsi, c'est une thérapie de complément. Donc il ne s'agit pas de proposer de l'hypnothérapie
en place de quelque chose d'autre. Elle vient en complément. Et moi, la plupart des patients qui viennent me voir pour chercher une solution, c'est, ils sont déjà passés par toutes ces phases. Oui, mais ils sont en psychothérapie oui, mais... depuis des années, ça c'est bloqué. Excusez-moi, ils vont en complément parce que c'est pas assez efficace l'hypnose ou c'est parce que c'est pour éviter la susceptibilité des psychiatres? Non, c'est-à-dire que parfois, ils ont fait des longues démarches qui ont pu avancer pour eux ou parfois pas. Ils se retrouvent face à un blocage et ils ont envie d'avoir une technique qui leur permet de bouger face à un symptôme. Et dans ces cas-là, quand c'est face à un symptôme, ça peut être soit avec un généraliste... D'accord, mais ça veut dire que vous ne faites pas d'hypnose de première intention? Ah si, certains psychiatres, là je pense que vous faisiez référence à des psychiatres qui ne pratiquaient pas l'hypnose, oui, ou des psychothérapies, d'autres... L'hypnothérapie n'est pas contradictoire avec d'autres techniques. Oui. Mais, elle n'est pas contradictoire, mais elle n'est pas forcément... Elle peut se concevoir peut en première attention. Oui, on voit, par exemple, on voit partout des articles sur les troubles de comportement alimentaire. Oui, oui. Vous faites de l'hypnose en première attention ou avant vous... Ce qui est important à savoir, c'est qu'on peut faire de l'hypnose en première intention, on peut faire de l'hypnose associée à d'autres traitements. Dans une prise en charge globale. Il arrive de donner un traitement médicamenteux et de faire de l'hypnose à un patient. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Max Fleury. Un exemple, par exemple, si moi je vois pas mal de gens pour l'arrêt du tabac, dans l'arrêt du tabac, l'hypnothérapie vient au sein d'une prise en charge globale. On fait un test de Fagerstrom, on voit si le patient est dépendant physiquement, et bien sûr s'il a une forte dépendance physique, on va lui proposer des substituts nicotiniques. Si on fait une échelle HAD qu'il a une tendance anxio-dépressive, on peut éventuellement lui proposer un traitement complémentaire. Et l'hypnothérapie va venir un petit peu au cœur de tout ça. On va prendre les plus grandes plaintes, celles qui généralement mobilise tous les généralistes. On va commencer par les troubles du sommeil, efficaces ou pas efficaces? Très efficaces dans les troubles du sommeil, oui. Je vois beaucoup de patients régulièrement qui viennent pour des troubles du sommeil et parfois en une ou deux séances, il arrive qu'ils soient extrêmement soulagés. C'est ça qui est extraordinaire avec l'hypnothérapie, c'est-à-dire qu'on arrive à faire bouger les lignes de manière extrêmement rapide. Par exemple, dans les phobies, en deux séances, moi j'ai une patiente qui était claustrophobe, mais vraiment au dernier degré, hein, parce que même le sas de la porte d'entrée du cabinet, elle avait des bouffées d'angoisse. En trois séances, elle a été délivrée de sa phobie. Alors qu'en psychothérapie classique, thérapie cognitivo-comportementale, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Alors chaque fois que je fais une émission avec Max Fleury, vous avez remarqué, il est très convaincant. Tout le monde me dit, mais pourquoi on ne fait pas plus d'hypnose? Bon, alors sommeil, la douleur, c'est quand même aussi dans ce pays un énorme problème. Vous intervenez sur la douleur? Tout à fait. Il y a différents types de douleurs. Ça peut être utilisé dans les cadres de douleurs aiguës et également des douleurs provoquées, par exemple lors de soins, parfois de soins douloureux. Changement de pansement. On n'utilise pas assez l'hypnose. On peut exactement pour les changements. On devrait pouvoir. On l'utilise pas assez. C'est très peu fait quand même. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites chez les grands brûlés, par exemple. Les soins chez les grands brûlés, c'est extraordinaire. L'hypnothérapie, ça améliore extraordinairement le confort du patient et la cicatrisation. On est dans les petites choses, même si c'est très douloureux. Hein. On reste dans les petites indications ou vous pouvez aller plus largement. Alors c'est même utilisé lors des opérations, dans des interventions chirurgicales. Oui, là. Mais pour pas des gens qui sont allergiques. Produit anesthésiant, sinon quel est l'intérêt? Pas nécessairement, parce que ça permet non seulement que les soins soient plus agréables et plus tranquilles pour le patient, ça permet de raccourcir les durées d'hôpital. Cela dit, quand on endort quelqu'un, c'est pas désagréable non plus. Enfin, Il y a des gens que ça angoisse beaucoup de ne pas pouvoir garder conscience et d'être éveillé. Et il y a aussi le fait que du coup, ça permet de diminuer les effets secondaires des traitements et de pouvoir même raccourcir les durées d'hospitalisation. J'espère qu'il y a un anesthésiste quand même qui est de garde au cas où d'un seul coup... À Tours, par exemple, un CHU qui nous est cher, Jean-François, à Tours, en neurochirurgie, ils opèrent à cerveau ouvert, patient conscient, en hypnothérapie. On sait que le cerveau est quelque chose où on peut se promener sans faire mal. Hein, donc, oui, mais quand même, avoir la boîte crânienne ouverte. Et là, c'est nécessaire parce qu'il faut que le patient puisse répondre aux stimulations que le neurochirurgien va faire pour essayer de trouver la zone où il va intervenir. Allez-y, Dina. Il y a aussi les douleurs chroniques. Ouais. Certains patients qui ont des douleurs pendant des années qui n'ont plus parfois de réelle origine physique. Mais vous rendez compte la porte que vous ouvrez pour la médecine, les médecins de famille qui nous regardent, enfin tous nos amis médecins généralistes qui traînent des patients depuis des années sans aucun succès. Une patiente spondylarthrite ankylosante, sous dose de morphine, le centre antidouleur, augmenter les doses de morphine, parce qu'il n'y avait que ça qui marchait. Deux séances d'hypnose, arrêt de la morphine. Plus de morphine. Dernier point, parce qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les indications, je suppose que vos questions vont arriver dessus. Infertilité, on a aussi une notion d'hypnose là-dessus, je ne vois pas...
comment ça fonctionne, mais... Alors, on n'a pas, ça fait partie des domaines dans lesquels on ne sait pas forcément ce qui se passe. En général, on ne sait pas pourquoi ça marche, l'hypnose Il arrive souvent qu'on ne sache pas. Effectivement, on accepte, nous et le patient, de ne pas savoir ce qui a fonctionné. Vous pouvez faire des séances chez des femmes enceintes, ça ne pose pas de problème? Aucun problème, au contraire. Bon, alors on va maintenant passer à la troisième partie, mais avant, j'aimerais qu'on voit les résultats. Alors, les résultats viennent de m'arriver. Seriez-vous prêt à prescrire de l'hypnose dans votre pratique? On est dans une république bananière avec Max Fleury et Dina Roberts. Oui, 94%, non, 6%. Vous voyez que vous fascinez complètement nos confrères. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs, hein, parce que chaque fois qu'on parle d'hypnose à des médecins, ils sont fascinés. Il y a surtout, je pense, de plus en plus d'expériences de patients que ça a aidé. Et donc, mais là, on ne parle pas de patients, hein, ce sont des médecins qui répondent mais à les, ce... les médecins voient leurs patients et donc savent que parce ça que peut aider. Moi, je commence à avoir des médecins, des confrères de la région qui m'envoient leurs patients, des psychiatres qui m'envoient leurs patients, parce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas l'hypnothérapie, des médecins généralistes, etc., des rhumatologues, des cardiologues qui m'envoient leurs patients. Comment donc, ça se prescrit l'hypnose, justement? Alors, ça on se en prescrit envie... pas. On c'est dit, un acte qui n'est pas remboursé, qui n'est pas coté. Je suis d'accord, mais on dit quoi à son patient? Il y a demain, il y a plein de gens qui vont dire demain, tiens, face à lui, ça fait des semaines où je n'arrive pas à faire quelque chose, je fais comment? C'est particulièrement intéressant que les médecins sachent un petit peu, qu'ils aient pu avoir connaissance de ce qu'est l'hypnose, parce que quand un patient vient en ayant entendu parler d'hypnose, en ayant été rassuré par son médecin généraliste, il vient avec des attentes positives. Non, mais attendez, là je ne vous parle pas de gens, c'est des gens qui nous écoutent ce soir, qui disent moi, j'ai compris, demain je veux faire de l'hypnose à mes patients, je fais quoi? J'envoie à qui? La grande difficulté, c'est de trouver un interlocuteur, c'est de trouver un correspondant en qui on a confiance. Va sonner sans arrêt. Moi, j'ai plus le temps. Justement, mais comment on fait? Expliquez-nous. Ben, c'est ça le problème. Il y a un registre, il y a... Alors, il y a différents annuaires qui existent. Notre association a un annuaire. Bon, on n'est pas très nombreux. Donc après, il y a d'autres associations, il y a d'autres collèges qui existent. On évite l'hypnose de foire non référencée. On évite tous les gens qui ne sont pas des thérapeutes. Alors, on est médecin, contre-indication. Est-ce qu'il y a des gens à qui on ne peut pas, peut-être en psychiatrie, à qui on ne peut pas faire d'hypnose? Il faut être particulièrement prudent avec les patients psychotiques. Un notamment paranoïaque, ça ne doit pas être facile quand même de l'hypnotiser. Tout à fait, et c'est surtout les psychoses aiguës. Chez les patients schizophrènes, on peut quand même parfois utiliser l'hypnose, mais des gens qui ont l'habitude de la psychose, qui ont déjà un bon lien avec le patient, donc il faut être particulièrement prudent dans cette indication. Dans ma formation, on nous disait, ne prenez pas en charge les patients que vous ne gériez pas autrement que par l'hypnose. D'accord. Donc, tous les patients sont hypnotisables ou il y a vraiment des réfractaires? L'hypnosabilité, elle est commune, puisque c'est un état naturel dans lequel on entre plus ou moins facilement. Tout à l'heure que... Après, comment ça va bouger avec les suggestions, puisque ça, c'est le deuxième aspect de l'hypnothérapie, on va suggérer des choses. Ça, c'est très variable. C'est une courbe de Gauss, 80%, 10% très suggestible, 10% moins suggestible. Dina Roberts. Il n'y a pas forcément besoin d'être extrêmement suggestible pour que l'hypnose soit très efficace. Voilà. En plus. Ça s'apprend facilement. Parce que vous, Max Fleury, je vous ai connu journaliste. Vous avez appris l'hypnose en combien de temps? J'ai fait le DU, c'est un an, je crois. Un an, et après, vous avez un diplôme. Ouais, on a un diplôme universitaire, avec un mémoire, etc. Donc, une formation sérieuse. Et alors, la formation n'est pas tout. Je ne sais pas si le docteur Robert sera d'accord avec moi, mais je pense que... Moi, je connais de nombreux confrères qui sont formés à l'hypnothérapie, qui n'en font pas parce qu'ils sentent que ça ne marche pas. Freud, par exemple, a abandonné l'hypnothérapie parce que pour lui, ça ne marchait pas. Il n'avait pas le caractère, il n'avait pas... Je ne sais pas quoi. Il a abandonné pas mal de choses. Oui, bon, il a fait la psychanalyse, c'est pas mal non plus, mais... Voilà, mais voilà, vous avez le caractère du thérapeute est vous avez est important. Tous la même technique de consultation ou il y a la patte Fleury et la patte Roberts? Non, il y a beaucoup de différences, à la fois en fonction de la personnalité de chacun, aussi en fonction de la formation de chacun. Il y a mais alors, les grandes règles, obscurité ou pas? Non, pas forcément. Musique ou pas? Non. Ça dépend plutôt pas. D'accord. Heure idéale? Non. Non. Bon, ça va, bon. Ce qu'on dit souvent, c'est dire après une séance, enfin je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais après une séance d'hypnothérapie, ayez plutôt une soirée ou une journée un peu tranquille. On est comment après la séance? On est fatigué ou on est en forme? On est un peu cotonneux, on est un petit peu sur son petit nuage. Vous ne pouvez pas nous remettre en forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une remise en forme, l'hypnose. Alors tout dépend complètement aussi de comment on finit la séance. Si on sait que la personne doit retourner travailler, on peut tout à fait l'accompagner à ça. Il suffit de 5-10 minutes à la fin de la séance, c'est-à-dire pas tout de suite prendre sa voiture, mais quelques minutes après, il n'y a pas de problème, on prend un petit verre d'eau. Vous avez eu des gens qui restent dans le potage pendant très longtemps ou pas? Non, mais par contre, j'ai eu des gens que j'avais du mal à ramener à la surface. Ah oui, parce qu'ils étaient tellement bien, ils me disaient non, mais je ne voulais pas remonter tellement je me sentais bien.
faites quoi? Vous les gardez à la maison le soir? Non, j'insiste. Non, vous insistez pour les réveiller. Je claque dans les mains. La confiance envers le médecin, c'est fondamental ou pas? C'est fondamental. Et quand on parle de l'hypnotisabilité, on oublie ça. C'est-à-dire qu'en général, la personne est parfois pas hypnotisable parce qu'elle est juste pas en confiance avec la personne qui l'hypnotise. Une fois qu'il y a la confiance, en général, c'est. Et c'est encore mieux quand on est le médecin traitant pour ton avis. Moi, je vois toujours les gens, même si ce n'est pas mes patients, en consultation pré-hypnose. Déjà pour voir quel est leur problème, qu'on se connaisse, que je leur explique comment moi je fonctionne. Et déjà, le lien se crée, l'alliance thérapeutique se crée dès ce moment-là. Donc, si on fait le cahier de prescription, une séance pré-hypnose, on a compris qu'il y a une consultation normale. Ouais. Après, c'est combien de séances? On est comme chez le psychanalyste, on est parti pour 10 ans ou... Non, c'est en général des prises en charge brèves. Ça peut être dès une seule séance parfois. Ensuite... Oui, ça m'a surpris. Il y a une fois, une seule séance suffit. Oui, ça suffit à se remettre en mouvement. Ça veut pas dire comment vous le savez que ça suffit? Parce qu'on a souvent, alors moi j'ai pris l'habitude de rappeler parfois les patients ensuite pour leur demander comment ça s'est passé, donc de savoir que ça s'est bien passé pour eux. Et on le sait aussi parce que parfois ils nous rappellent, parce qu'ils nous adressent d'autres personnes qui nous donnent de leurs nouvelles. En moyenne 2 ou 3 séances alors? Moi, de manière systématique, je propose aux gens de prendre 3 rendez-vous. Ouais. Alors je leur dis bien que ça ne les engage pas. Si au bout d'une séance le problème est réglé, ils ne font pas les autres, mais au moins les 3 rendez-vous sont calés, on avance comme ça. Dina. Et parfois aussi, l'hypnose est une technique, une méthode qui vient s'ajouter à un autre type de prise en charge et ça peut être sur des durées plus longues aussi, tout dépend des objectifs. Et puis on peut faire des piqûres de rappel de temps en temps si les gens en ont besoin. On va parler brosouf, hein. Ça coûte combien une séance d'hypnose? Ça dépend beaucoup, souvent. Vous prenez combien? Alors quand je consulte en libéral, c'est en général 80 euros, dont une partie parce que je suis psychiatre et remboursée par la sécurité sociale, 37 euros, et la moitié, souvent selon les mutuelles, une partie en plus. Les mutuelles commencent à prendre en charge les séances d'hypnose? Alors, elles ne prennent pas très rarement en charge les séances d'hypnose. Par contre, si c'est une séance de médecine générale ou une séance de psychiatrie, elles remboursent cette part-là. Et vous, Max Fleury, vous prenez combien? Moi, ça revient au patient 74 euros de sa poche. Ouais. Par séance. C'est-à-dire qu'il y a la part de remboursement dont on ne parle pas, oui. Voilà. Vous êtes un petit peu plus cher, là. Je suis très célèbre. Vous êtes très célèbre, oui. Bon, on ne peut pas imaginer que le remboursement va arriver un jour, quoi. Ah, pourquoi pas? On l'a vu avec vous êtes en train d'acter pour que on ça l'a se vu passe. Avec l'ostéopathie. Hein. Maintenant, il y a pas mal de mutuelles qui commencent à prendre en charge, qui font des forfaits. Cela dit, si j'ai un trouble du sommeil qui me gâche la vie dans la région d'Orléans, et si pour 3 fois 74, s'il fait 210 plus 12, ça fait 222. Non, mais ce que les patients me disent, c'est le prix, ça n'a pas d'importance quand on est soulagé. Parce que la plupart des gens qui viennent nous voir, ils sont dans un cul-de-sac, ils sont dans une impasse. On va passer maintenant vos questions, on va voir ce qu'en pensent justement nos téléspectateurs. Alors, celle-là, vous l'attendiez. Il y a plusieurs formes d'hypnose. Qu'appelle-t-on l'hypnose ericksonienne? Ça a l'air de vous énerver. Ça a énervé Max Fleury tout à l'heure quand j'ai posé la question. Ça vous énerve aussi? Non, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, Erickson est un thérapeute qui était extraordinaire, qui travaillait dans les années 50, qui lui a peu formalisé sa pratique. Et ensuite, c'est d'autres personnes qui font de l'hypnose ericksonienne. Je pense que c'est important de savoir qu'il a énormément transmis et influencé la pratique de l'hypnose aujourd'hui. Depuis, il y a d'autres personnes. Ouais, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer l'hypnose fleurienne à partir du moment où Max Fleury va ou vous, Robertienne, mais bon, il est un peu plus âgé, c'est normal que ça soit un truc de famille. On ne va pas plus chez un ericksonien, parce que si vous va être meilleur. Erickson s'est démarqué de ce qu'on appelait l'hypnose autoritaire, un petit peu, donc, où le patient était un petit peu coincé. Donc, Erickson a ouvert le champ, il a ouvert les possibles, et c'est en ça qu'il a un peu révolutionné la pratique. Donc, les gens s'inspirent maintenant à dire qu'on est ericksonien ou pas. Je veux dire, il n'y a qu'Erickson qui était vraiment ericksonien. Les autres, on peut s'inspirer de sa pratique et mélanger un petit peu différentes choses. Très bien. Je suis très intéressé, mais j'ai 55 ans. J'ai envie de vous dire où est le problème. Moi, je suis très intéressé, j'en ai plus. Mais bon, est-ce qu'il y a un âge limite? Que me conseillez-vous pour devenir hypnothérapeute et combien de temps dure la formation? Un an, on a compris. Un an ou plus, ça dépend des formations. Il n'y a pas d'âge limite? Non. Bon, non, je sais pas. Faut être passionné, quoi. Je pense que c'est ça. Faut être passionné et créatif. Et absolument pas, surtout que je pense que l'expérience qu'on peut avoir dans d'autres domaines est ensuite réutilisée avec l'hypnose. Ouais. Est-ce que n'importe quel médecin peut apprendre à pratiquer l'hypnose ou il y a des personnes qui n'y arriveront pas? On a parlé des contre-indications de l'hypnose, mais... Il y a des personnes qui n'y arriveront pas parce que... Trop pragmatique, trop... Alors, je pense, je ne sais pas si Dina Roberts me contredira, mais je pense, moi, c'est comme ça que je le vis, je pense, et c'est comme ça que je ressens ma pratique, il faut être extrêmement créatif
lorsqu'on est en séance d'hypnothérapie. Parce que ce n'est pas des choses qui sont écrites à l'avance. Donc il faut s'adapter aux patients, il faut raconter des histoires, il faut les raconter pas n'importe comment, il faut y mettre un ton, etc. Donc il faut certaines aptitudes, entre guillemets, naturelles. Il faut avoir envie de ça. Donc ce n'est pas une technique qu'on apprend comme ça et qu'on va pouvoir plaquer sur un patient. Ça ne marchera pas dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'en plus, que dans tout domaine, il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise. C'est notamment aussi, je pense, des questions d'empathie. Voilà, des questions... exactement. Il y a des personnes qui seraient beaucoup plus à l'aise à travailler avec une autre technique et d'autres qui sont plus à l'aise dans celle-ci. Ouais. Après, je ne pense pas qu'il y a d'impossibilité absolue. Je pense que ça s'apprend, mais que certains vont... Et c'est important de le dire parce que c'est tellement en vogue que tout le monde veut se former. Mais attention, quoi, parce que voilà. Vous avez remarqué, il fait mon boulot, Max Fleury. Hein, attention des illusions. On sent que c'est un ancien journaliste. Il je a peux poser des débats. Il laissait les clés du studio, c'est prévu tout à l'heure. Mais tiens, c'est pas pour vous celle-là. Ne vaut-il pas mieux être psychiatre pour devenir hypnothérapeute ? Et pan. Tout dépend des indications dans lesquelles ensuite on l'utilise et avec quel type de patient et des objectifs qu'on se donne. D'accord. Alors, y a les questions moins sympas qui arrivent. Hein. On n'est pas très loin des chamans et autres pratiques. Les hypnothérapeutes sont avant tout des mystiques. Ouais. Alors, tout au contraire, moi j'ai fait ma thèse de médecine sur l'hypnose. On travaille avec des données des neurosciences. Mmh. On a maintenant des techniques d'imagerie qui nous permettent de commencer à objectiver ce qui se passe au niveau cérébral pendant l'hypnose. Et donc, on est en train de pouvoir être de plus en plus précis sur ce qui se passe. Même si, probablement, que les chamans utilisaient un état qui est proche de celui de l'état hypnotique. On s'en sert d'une autre manière avec d'autres objectifs. Et qu'à une époque, on a spiritualisé parce qu'on ne savait pas comment ça marchait. C'était quelque chose d'un petit peu inhabituel. Donc forcément, on y voyait le signe d'une divinité ou autre, de quelque chose de spirituel, alors que finalement, c'est très physiologique. Il y a un médecin, ce n'est pas une question, mais c'est juste une remarque. Ça paraît miraculeux, cette hypnose, à écouter les soignants. C'est effectivement, c'est des patients, je suppose, quand on a des patients qui traînent des insomnies ou des douleurs depuis très longtemps, dire en trois séances, je vais vous... Alors, ça marche pas chez tout le monde, hein, voilà, c'est pas... Non, ça marche pas chez tout le monde, et ce qui est important, c'est que les patients ont ces ressources-là en eux. C'est pas l'hypnose qui leur apporte, l'hypnose permet qu'elles deviennent... Mais ne pas proposer de l'hypnose, ça peut être considéré comme un manque de chance vis-à-vis de ces patients, enfin, on imagine à tous, et vous le ressentez comme ça, effectivement, c'est très dommage, et notamment des patients qui, parfois, sont sous anxiolytiques, sous des traitements très lourds, alors qu'en quelques séances, on arrête ces traitements, on se dit que c'est effectivement un petit peu dommage qu'ils aient pas eu, là, dans ces cas-là, en première intention, de l'hypnose. Bon, on reprend la question que j'ai posée, mais c'est des gens qui disent où est-ce qu'on peut réellement se former à l'hypnose ? Donc, vous n'avez pas une adresse ? Alors maintenant, il suffit d'aller fouiller un petit peu sur Internet. Moi, je conseillerais... C'est un côté péjoratif, ce que vous dites. Non, aller non, fouiller sur Internet. Non, parce que je connais pas toutes les formations. Il y a deux formations essentielles. Il y a la formation universitaire, donc les DU, que n'importe quel médecin, psychothérapeute... C'est ce que vous avez fait, vous ? Infirmière. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Il y en a une dizaine en France, quinzaine même. Vous avez fait votre DU à la Pitié Salpêtrière. À la Pitié Salpêtrière. Donc à quelques mètres d'où Charcot faisait lui-même ses hypnoses. Hein, donc bien sûr, non, mais vous ne refusez jamais derrière la maximalisation des moyens. Mais donc je suppose que quand on habite dans le Loir-et-Cher, on n'est pas obligé d'aller à la Pitié Salpêtrière. Ah ben oui, voilà. Alors il y a différentes universités en France qui proposent maintenant des DU. Il y a Nantes, il y a Lyon, etc. Bon, Lille, différentes universités. Et puis il y a les formations privées, ce qu'on appelle les instituts Milton Erickson, notamment, il y en a d'autres, qui sont des formations dispensées par des médecins, donc qui sont très sérieuses. Par contre, elles sont beaucoup plus chères parce que c'est du privé. Ah oui, ça coûte combien en fait de se former parce qu'on Le DU, je ne sais plus, c'était un DU, c'est le prix d'un DU. Et là, ces écoles sont beaucoup plus chères. Ah ben là, moi, j'ai une infirmière que je connais qui se forme à Paris, payée par le CHRO, ça lui coûte 10 000 euros la formation. Ah oui. Moi, ça m'a coûté beaucoup. Enfin, alors, ça dépend, oui. C'est entre 1 000 et 1 500 euros l'année, mais sachant qu'il y a des formations sur un an, des formations jusqu'à 3 ans. Je pense que c'est nécessaire dans la formation de pouvoir également faire de la supervision. Voilà. Il y a une question que je ne comprends pas tellement, mais la régime l'envoie, c'est le mot hypnose est-il le bon terme en tant que soignant ? Hypnothérapie, thérapie par l'hypnose. Il y a effectivement des gens qui remettent en question le mot d'hypnose parce qu'hypnose vient quand même du sommeil. On s'est quand même dit au départ que l'hypnose n'est pas un état de sommeil. Certains pensent même à changer le nom, à parler de thérapie, d'orientation, de l'attention et de la conscience. C'est vrai que le terme d'hypnose, c'est plus long, c'est plus compliqué, mais ce terme d'hypnose regroupe beaucoup de choses. C'est pour ça que certains se posent la question. Deux questions qui sont à peu près dans la même sphère.
La première, si un accident survient au cours d'une intervention chirurgicale ou toute autre utilisation de l'hypnose, quel est le cadre juridique? Et la question qui va avec, faites-vous signer des consentements à vos patients? Alors, consentement, oui ou non? Non. Rien. Vous leur dites bon. Et si un accident survient, en tout cas de c'est pas... Il y a toujours un anesthésiste qui est là. Hein. Enfin, ouais. Bon, après, il est prêt à pousser la seringue hein, si le besoin s'en fait sentir. Les enfants peuvent-ils être hypnotisés? Les enfants sont même extrêmement hypnotisables. Ils passent un temps incroyable naturellement dans la journée en hypnose. Et dans les séances d'hypnose, ils entrent et ils sortent très très facilement de cet état. C'est très efficace chez les enfants. Un enfant s'hypnotise bien. Il n'a pas, lui, une résistance qui fait... Alors, on ne va pas utiliser la même technique. On va utiliser le jeu. C'est-à-dire qu'on va, on va jouer avec l'enfant. On va le faire imaginer. Je vous ai vu faire une séance d'hypnose en répétition tout à l'heure. Moi, je serais un enfant, j'aurais peur. Hein, vous regardez. Accoucher les enfants tout à l'heure. Parce que... Là, on ne fait pas ça du tout. Hein. Voilà, on fait jouer, on joue sur l'imagination de l'enfant. Ils sont très forts. Ils sont bien plus forts que nous là-dessus. Une question, les patients parlent-ils durant la séance? Ça dépend. C'est assez... Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. La plupart du temps, pas. Mais c'est tout à fait possible. Alors Milton Erickson, pour reparler de lui, avait développé une technique qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire qu'il mettait les gens dans une transe extrêmement légère, très superficielle, et puis il s'entretenait avec ses patients. Donc c'était plus une forme de, on va dire, d'analyse hypnotique, ou de l'hypnoanalyse même, on utilise ce terme-là. Donc voilà, moi je ne pratique pas ça. Moi je mets dans des transes profondes, et puis voilà, je fais des suggestions. Je vais vous la poser, est-ce que personne ne vous l'a posé la question, je suis là-dessus, si pendant la séance d'hypnose, vous demandez numéro de carte bleue et numéro de code confidentiel qu'est-ce qui se passe? Les patients ne vont pas faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire au fond d'eux. Et ça, vous êtes sûr de ça? Il n'y a pas ce type de dérive, n'est pas possible parce que c'est le patient qui contrôle. C'est pas possible, sauf si inconsciemment il a des raisons de vouloir le faire. Mais je ne pense pas que ce soit. Non, puis, il n'y a pas de tentative. Ce que je veux dire. Mais le confrère a raison de poser cette question. Mais moi, ce que j'explique, parce que les patients nous posent cette question, parce que ils viennent avec tous leurs fantasmes, avec toutes leurs questions. Voilà. On doit souvent les rassurer. Et moi, je leur dis, écoutez, moi, je suis médecin. On est dans une alliance thérapeutique, c'est-à-dire que vous venez me voir pour une raison bien précise, et moi je m'engage en tant que médecin à répondre à cette attente. Alors j'y arriverai, j'y arriverai pas, mais l'objectif, voilà. Mais encore, vous ressoulignez là, Max Fleury, que le fait d'être médecin, c'est fondamental. Oui, mais l'alliance thérapeutique, elle existe aussi avec un psychothérapeute. Oui. La différence entre un psychothérapeute, j'ai appris ça pendant le DU, et un médecin, c'est que le médecin a le droit de toucher le patient pendant la séance d'hypnose. Alors que pas le psychothérapeute. Ah oui. C'est marrant, ça. Oui, enfin, c'est marrant. Allons-y. Alors, on ne peut pas donner sa carte bleue, mais on peut peut-être donner quelque chose de aussi précieux que la carte bleue. Non ? Il faut voir. Bon, ça, il n'y a pas de... Il y a dessus, la déontologie, mais il n'y a pas de... Ce qui est important, c'est que les gens qui pratiquent ont signé un code éthique. Voilà. Mais ça, c'est important. C'est avant tout, bien sûr. Par contre, pour les confrères qui m'écoutent, moi, quand j'ai des mineurs, par contre, j'exige toujours qu'il y ait un patient avec. Un témoin avec. Un des deux parents qui soit là. En présence de l'enfant. Ça, peut-être que tout le monde ne le fait pas. Moi, c'est une précaution. Bon, je ne sais pas si c'est utile, mais pour l'instant, ça ne m'a jamais servi. Je pense que l'hypnose pratiquée à l'américaine, ça doit, à mon avis, il doit y avoir une caméra qui filme en plus. Je pratique l'hypnose. Je crois qu'il est important de savoir se garder de toute forme de forfanterie et bien faire entendre d'emblée aux patients que l'hypnose, pour efficace qu'elle soit, n'est pas pour autant la baguette magique qu'ils imaginent parfois. Moi, je le dis systématiquement à tous les patients que je vois en pré-hypnose. Je dis attention, parce qu'ils viennent avec beaucoup d'attentes. Et moi, je les refroidis un petit peu. Je préfère les refroidir et puis qu'ils aient des bonnes surprises. Tout à fait, le confrère a raison de le souligner. A raison là-dessus, ça, c'est quelqu'un qui fait. Alors, une question effectivement très à la mode, le stress post-traumatique, sujet malheureusement tristement à la mode. Est-ce qu'on a des résultats avec l'hypnose? J'ai vu, Dina, malheureusement, suite aux actualités, des gens qui étaient au Bataclan, qui ont vécu les événements récents. C'est une technique qui est extrêmement utile dans ces cas-là. J'ai vu quelqu'un qui était en début d'état de stress post-traumatique et qui, au bout de trois mois... Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a, dans les conséquences de le stress post-traumatique à long terme, c'est-à-dire tous ces gens qui ont connu, d'ailleurs de façon directe ou indirecte, donc ceux-là, on peut leur conseiller l'hypnose. Bien sûr. J'ai lu une interview dans l'équipe, vous savez que c'est ma littérature de référence, le docteur Simon qui racontait comment il était intervenu devant un des cafés et qui disait que il était un peu démuni, quoi. Il était médecin généraliste comme vous et moi, et qu'arriver devant un tel truc...
Est-ce que là, le fait d'avoir des capacités d'hypnose pourrait se concevoir? On peut faire de l'hypnose au milieu d'un fatras de bruit. On commence à former les sapeurs-pompiers à l'hypnothérapie. Dans les désincarcérations en SAMU, par exemple en intervention SAMU, les désincarcérations, on met les gens en transe pendant la désincarcération pour qu'ils la vivent de manière tranquille. Ils sont dans leur bulle et puis ils ne s'occupent plus, ils n'entendent plus les mâchoires qui cisaillent la bagnole, etc. Donc c'est beaucoup plus confortable en situation de terrain, sur site. Il y a peu de choses qui échappent justement à cette espèce de raisonnement sur comment utiliser l'hypno. Il y a un de nos téléspectateurs qui dit même question que le stress post-traumatique, mais lui avec une affirmation. Je vous en prie, parler des effets de l'hypnose contre l'addiction à l'alcool, c'est important de le signaler dans notre pays. Dina. Je vois beaucoup de patients dans ce cadre-là et c'est important de savoir que non seulement il est utile de travailler avec eux dans le cadre de la thérapie avec l'hypnose, mais ensuite, eux, quand ils ont parfois des envies de consommation, il leur arrive d'utiliser l'auto-hypnose, c'est-à-dire la technique qu'ils ont appris en séance, à la place d'ouvrir le frigo et de prendre la bouteille, ils se disent « Ah, je vais faire plutôt un autre moyen de me tranquilliser et je vais faire une séance d'hypnose. » Et ça leur arrive de réutiliser la technique dans les moments où ils ont envie de consommer. Donc l'auto-hypnose, on n'en a pas parlé, mais on va en dire un mot là. C'est aussi quelque chose d'enseigner à vos patients? Bien sûr. Mais l'auto-hypnose, c'est quoi? Vous leur donnez, vous leur apprenez ou oui, faut apprendre? Il y a deux solutions. Soit on peut leur apprendre des techniques et quand ils ont compris, c'est pas très compliqué, ils arrivent à le refaire chez eux tout seuls. Ou bien moi, je leur propose aussi d'enregistrer une séance sur leur portable. Maintenant, tout le monde a un smartphone, ils peuvent enregistrer, ils se repassent les séances. En guise de piqûre de rappel. C'est surtout que quand ils ont fait l'expérience de l'hypnose avec nous dans le bureau, ils ont ressenti comment on fait pour aller par choix dans cet état-là et ensuite ils arrivent à le refaire à leur manière, à le réadapter dans d'autres situations. Il y a des cours d'auto-hypnose sur Internet, des trucs comme ça, je sais pas, vous Oui, ça existe, mais tout existe. Moi j'ai même vu des formations à l'hypnose sur Groupon à 50 euros la formation, donc validée. Je pense que l'essentiel est vraiment l'expérience avec quelqu'un la première fois pour pouvoir ensuite retrouver l'état seul. Alors, vous êtes des champions du monde, le Conseil de l'Ordre reconnaît l'homéopathie, l'acupuncture, les ostéopathes et les mésothérapeutes, mais pas l'hypnose. Pourquoi? Voilà, c'est l'Académie de médecine qui reconnaît l'hypnothérapie comme thérapie de Conseil de l'Ordre. Moi, j'en sais rien. J'ai pas de réponse. Pas encore, probablement que l'histoire qu'a eu l'hypnose et notamment la position que Freud avait prise avec l'hypnose a pu ralentir un peu les choses. Aujourd'hui, c'est en train de bouger. On espère que ça va changer rapidement. Combien de séances d'entraînement faut-il avant une intervention chirurgicale? En général, il n'y a pas de séance d'entraînement. Du tout. Ah bon. C'est la première fois. J'ai confiance en vous. On me dit qu'on va m'ouvrir le cerveau, faire entrer Dina Roberts, c'est 5 minutes après. La confiance est importante quand même. Moi, je ne travaille pas dans ce contexte. Mais en général, ils rencontrent une fois l'anesthésiste avant la. J'ai eu le cas pour une patiente qui devait se faire poser des implants dentaires, pour qui c'était impossible psychologiquement d'envisager ça. Moi, j'ai fait quelques séances. Voilà, de conditionnement avant, et puis je l'ai accompagné ensuite au cabinet du dentiste. J'ai reçu d'ailleurs, pour parler d'auto-hypnose, l'hôpital Foch organise une conférence de presse sur l'auto-hypnose chez les patients en attente de transplantation pulmonaire. Donc là, c'est plutôt pour leur permettre d'être calme ou c'est quoi Mais c'est surtout que c'est qu'on ne pense pas assez à l'auto-hypnose en prévention. Moi, je voyais aussi des patients drépanocytaires qui ont des crises douloureuses. Ça peut être très important que les patients aient déjà cet outil-là avant d'être dans les situations compliquées, qu'ils puissent être préparés au stress, à l'anxiété, qu'ils puissent être préparés à la douleur et qu'ils aient déjà leur solution face à ça. Bon, il y a des gens qui vous reprochent le manque d'études, qui a passé des grandes études épidémiologiques, Alors aujourd'hui, on commence à avoir des outils qui permettent de vraiment visualiser l'effet de l'hypnose sur le cerveau. Parce que c'est dans le cerveau que tout se passe, en hypnose. Et aujourd'hui, avec l'imagerie fonctionnelle cérébrale, on voit véritablement ce qui se passe dans le cerveau. Alors on ne comprend pas, effectivement, toujours comment ça se produit, mais on voit qu'il y a des changements qui sont évidents. Le problème, c'est que l'hypnose, pour l'instant, n'intéresse personne, je veux dire, au niveau financier. On n'a pas d'argent pour faire des études. Si, c'est faire des économies à sécurité sociale, de sortir les gens de problèmes. Il y a le contrôle des pratiques de l'hypnose. Vous avez des examens de temps en temps, des gens qui viennent voir ce que vous faites Allez-y. Non, on n'a pas de contrôle. Comme on disait, ce n'est pas réglementé de toute façon, ce qui est un souci, ça pourrait être intéressant. Mais en général, ce qui est important, c'est de voir des gens qui ont adhéré aux sociétés, à l'ESH notamment, qui sont reconnus internationalement. ESH, ça veut dire European Society of Hypnosis.
Une question, je vais y répondre. Hein. Est-elle utile dans le burn-out? Oui, et c'est utile, on l'a dit tout à l'heure. Mais surtout, je voulais signaler que l'émission de la semaine dernière sur le burn-out a déjà dépassé 3000 médecins. Vous imaginez que maintenant, les émissions, comme celle de ce soir, seront vues par près de 5000 médecins. Je voulais simplement vous remercier parce que c'est un vrai succès des JDF. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je suppose que vous êtes plus d'un devant votre écran à vous demander pourquoi ne pas tenter l'expérience, comme thérapeute, mais aussi comme patient d'ailleurs. Merci au docteur Dina Roberts et au docteur Max Fleury d'avoir suscité cette envie par la précision et la justesse de leurs réponses. Ils ont d'ailleurs accepté de vous faire un cadeau original. Le début d'une séance d'hypnose, c'est-à-dire l'induction d'un état hypnotique avec une précision importante. L'intention n'est pas de faire une démonstration de spectacle, vous l'avez bien compris. C'est important de le préciser pour ne pas donner un aspect désuet à tout ce que nous venons de voir et d'entendre. Un peu moins de 10 minutes de sérénité, ce sera le cadeau des JDF. Max Fleury, c'est vous qui allez le faire. Comment on se réveille après votre séance de... Bien, normalement. C'est-à-dire, mais si les médecins qui s'endorment, ils vont on les retrouve le lendemain matin. Le lendemain matin, assis sur leur fauteuil dans le cabinet, c'est pas. Ils se réveillent au chant du coq. Si vous êtes dans votre voilà. Bon, écoutez, c'est une expérience qui va passionner tout le monde. N'oubliez pas le replay hein, sur le site de Fréquence M si vous avez des copains qui ont envie de tenter l'expérience. Et puis l'adresse mail, jdflemoine@gmail.com. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et j'aimerais bien là, que vous me disiez comment ça s'est passé. Pour ma part, je vous dis à dans deux semaines, car jeudi prochain, vous découvrirez aux commandes de cette émission son rédacteur en chef, Damien Amouyel. Le thème sera le sida. Donc quant à moi, je m'envole. Place à la magie des mots du docteur Max Fleury. Bonne fin de soirée à tous. Et en attendant de vous revoir, surtout, portez-vous bien. Alors, à vous tous qui me regardez, je vais vous proposer simplement d'expérimenter d'une certaine manière et assez brièvement ce que pourrait être pour chacun de vous un état hypnotique. Donc vous n'allez pas avoir à faire des choses très difficiles, simplement m'écouter, essayer d'être attentif à ce que je vous propose, être attentif à ma voix qui va vous guider, et les choses vont se faire ou ne pas se faire en fonction des envies de chacun. Donc d'abord, je vais vous proposer de fermer les yeux tranquillement, là où vous êtes assis, j'imagine, derrière votre bureau, chez vous, tranquillement. Vous allez simplement vous asseoir, fermer les yeux, mieux vous concentrer sur mes paroles et mieux vous concentrer sur les perceptions que je vais vous inviter à observer en vous-même. Par exemple, si vous concentrez là maintenant tout de suite votre attention sur vos deux pieds, les yeux fermés, vous allez immédiatement percevoir la dureté du sol sous la plante de vos pieds, transmise par la semelle de vos chaussures. Le sol ne devient pas dur au moment où vous l'observez, il était dur avant, simplement vous n'en étiez pas conscient. Maintenant, vous allez, toujours les yeux fermés, vous allez essayer d'appréhender tous les contacts que votre corps peut avoir avec le support sur lequel vous êtes. Votre fauteuil, votre canapé, que sais-je, votre chaise. En essayant de sentir comment votre corps réagit avec le fauteuil. Quels sont les points d'appui que vous pouvez observer? Quelles sont les sensations que ça fait naître en vous? C'est peut-être dur, c'est peut-être moelleux, c'est peut-être même inconfortable, qui sait? Peu importe, vous observez les choses un peu comme si vous étiez l'observateur de vous-même, avec un esprit de curiosité et de bienveillance envers vous-même. Et puis, si vous remarquez une sensation particulière, vous pouvez vous approcher de cette sensation pour observer simplement de quoi elle a l'air, cette sensation, à quoi elle ressemble. Un petit peu comme on s'approche d'un tableau impressionniste, on a une idée globale, et puis plus on s'approche, plus on voit des choses qu'on ne voyait pas lorsqu'on était un peu plus loin. Vous allez à présent concentrer votre attention sur votre respiration, très facile. Votre respiration, vous sentez ce mouvement lent, régulier,
plus ou moins rapide en fonction de votre état actuel, présent. Ne cherchez surtout pas à apaiser cette respiration, ne cherchez surtout pas à ce qu'elle soit différente de ce qu'elle est. Soyez simplement attentif à ce qui se passe en vous maintenant, sentant le flux, le reflux de l'inspiration, de l'expiration qui se répète ainsi à l'infini. Et puis en étant attentif, vous allez pouvoir observer une petite pause au milieu du cycle respiratoire, toujours au même endroit, au même instant. Elle est parfois très brève, il faut être très attentif pour pouvoir la percevoir. Elle est parfois un peu plus longue, ce qui donne le loisir de pouvoir l'observer. Parfois, elle est tellement brève que c'est impossible, mais elle est là néanmoins. Donnez-vous quelques instants simplement pour tenter de l'observer. Un peu comme on tenterait d'observer un animal dans la brousse ou dans la forêt qui se cacherait, qui ne serait pas évident à trouver. Et puis si vous avez réussi ou si vous n'avez pas réussi à trouver cette petite pause respiratoire, vous allez simplement concentrer votre attention à présent sur le relâchement expiratoire, en l'accompagnant par la pensée, un peu comme si vous vous laissiez tirer par la main par un enfant qui voudrait vous emmener un petit peu plus loin, voir quelque chose. Laissez-vous entraîner par votre relâchement expiratoire. Ne cherchez surtout pas à forcer quoi que ce soit. Soyez simplement attentif à ce qui se passe là maintenant, tout de suite. Sentez au fil des instants cette expiration qui va toujours un petit peu plus loin. Un peu comme si vous aviez enlevé un frein ou une cale. Votre expiration est à présent capable d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle peut aller naturellement. Vous sentez que si vous forciez un peu plus, ce serait une expiration forcée, ce que vous ne faites pas. Et tout au bout de cette expiration, lorsqu'elle arrive vraiment à son terme, vous pouvez percevoir une sensation un peu inhabituelle au creux de l'estomac, au milieu de la poitrine. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. Essayez de simplement percevoir cette petite sensation inhabituelle, parfois très discrète. Et une fois que vous l'avez repérée, vous ne la lâchez plus, cette petite sensation inhabituelle. Vous la retrouvez d'expiration en expiration. Et à chaque fois que vous la retrouvez, elle prend un peu plus de présence. Et vous pouvez tout à fait la laisser diffuser à partir de l'endroit où vous l'avez observée. Vous pouvez l'imaginer en train de se répandre un peu à la manière de l'eau sur un buvard ou de l'huile sur un tissu. Vous pouvez aussi imaginer, par exemple, la montée de l'eau à marée montante sur une plage extrêmement plate. Ces quelques centimètres d'eau qui gagnent du terrain, très progressivement, très lentement, vous sentez cette sensation qui diffuse vers le haut de votre corps, vers les épaules, plus bas vers le ventre, le bassin. Vous pouvez essayer de sentir aussi les répercussions de cette expiration à distance de la poitrine, un peu comme une vague qui se perpétuerait un petit peu au-delà de son lieu d'origine. Et partout où cette sensation arrive,
Vous sentez comme une sorte d'engourdissement, comme une sorte de relâchement agréable. Et vous pouvez juste être attentif au fait qu'à présent, votre corps vous paraît plus engourdi qu'il y a quelques instants. Votre lucidité est intacte. Des pensées vont et viennent, un peu comme des oiseaux viendraient se percher sur un balcon et en repartiraient aussitôt. C'est le balai normal de vos pensées. Et puis cette sensation d'engourdissement que vous observez, un petit peu comme si vous étiez à l'extérieur de vous-même. Et vos paupières qui sont lourdes à présent, tellement lourdes que si vous essayiez de les ouvrir à présent, malgré vos efforts, vous n'y parviendriez pas. Si vous pouviez sentir votre pouls, vous pourriez découvrir qu'il est à présent bien plus lent qu'il y a quelques instants. Votre pression artérielle a diminué. Votre corps est à présent comme endormi, calme et tranquille. Votre conscience est tout à fait intacte, votre lucidité est parfaite. Mais votre corps paraît à présent appartenir à quelqu'un d'autre. Vous pourriez presque l'observer comme du dehors. Une sensation inhabituelle, mais très agréable, très relaxante. Vous avez beaucoup de mal à sentir la différence à présent entre votre corps et la chaise ou le fauteuil sur lequel vous êtes installé. Où s'arrête votre corps, où commence le fauteuil, c'est à présent très difficile à dire. Vos pieds semblent comme fondus dans le sol. Vos bras semblent collés aux accoudoirs de votre fauteuil, vos mains collées à vos cuisses éventuellement. Vous êtes juste bien et vous ressentez le plaisir de l'instant et vous dites que ça pourrait durer pendant des heures et que vous seriez très heureux de cela. Vous êtes juste dans un état dissocié qui permet à votre esprit inconscient d'être absolument ouvert à de nouvelles solutions qui échappaient jusque-là à votre conscience. Je vais à présent vous ramener à votre état de conscience normal. Nous allons aller progressivement, un petit peu comme en plongée, on remonte par paliers pour ne pas être trop brutal. Pour cela, je vais compter jusqu'à 5. Vous ouvrirez les yeux quand je vous le dirai à 5, mais pour l'instant, je compte 1 pour que vous repreniez simplement conscience de votre corps, de sa position, du support sur lequel vous êtes installé, des points de contact que vous avez observés tout à l'heure. 2, vous allez commencer à bouger un petit peu les doigts. Ils peuvent vous paraître très engourdis, parfois il faut forcer un petit peu, n'hésitez pas, insistez. Bougez les doigts, bougez les orteils. 3, vous allez ouvrir à présent et fermer les mains. Répétez ce geste jusqu'à ce que le geste soit bien souple et normal. 4, vous allez pouvoir à présent vous étirer. Vous pouvez avaler votre salive, respirer profondément, étirer votre corps, changer de position, étendre vos jambes. Et lorsque vous sentirez que votre corps répond à présent à toutes vos sollicitations volontaires, 5, vous pouvez ouvrir les yeux à présent. Voilà, vous êtes dans un état peut-être un peu cotonneux encore, ça peut durer encore quelques instants. Mais en tout cas, vous allez passer une excellente journée ou après-midi ou soirée. Vous allez simplement être détendu, tranquille, et vous aurez fait l'expérience d'un état dissocié. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et c'est un état dissocié, comme nous vous l'avons dit pendant l'émission, que vous pourrez retrouver à loisir maintenant que vous avez senti, perçu cette sensation. Vous pourrez la retrouver en simplement répétant cette phrase que
je vous ai indiqué. Au revoir.